on tenait à vous présenter quelque chose d'un petit peu particulier ce soir, parce qu'on a organisé un atelier de tournage avec des jeunes qui ne se connaissaient pas avant ce matin, qui viennent de Lévignac, de Mont-de-Marsan et de Pessac. Et j'aimerais qu'ils se lèvent pour que vous puissiez visualiser, ils sont restés ce soir. Alors il faut savoir qu'au départ, on s'était donné 2 jours pour faire ce petit court-métrage ensemble. Et puis il se trouve que ce matin, ils ont écrit à 20 mains, du coup tous ensemble, un texte, parce qu'ils se sont posé une question, à quoi ça sert en fait la culture? Et quand on a lu ensemble le résultat du texte, ça m'a semblé intéressant qu'on puisse l'entendre ce soir tous ensemble. On va voir s'ils répondent à cette question, à quoi ça sert la culture, mais en tout cas c'est... vraiment important qu'on puisse partager le point de vue de ces jeunes tous ensemble. Merci beaucoup. On est très content de vous accueillir pour cette séance qui a été spécialement créée pour vous. Alors un court-métrage, en fait, c'est comme un long-métrage, c'est-à-dire les longs films que vous pouvez voir au cinéma ou parfois à la télévision. C'est un film qui va être plus court, mais qui va raconter une histoire complète. Donc ce qu'on va vous demander, là, pendant cette projection, ça va être de bien vous concentrer pour vraiment apprécier les 4 films que vous allez voir, essayer de bien vous en souvenir, parce qu'ensuite, vous avez la chance d'avoir des réalisateurs et la réalisatrice de ces courts-métrages, il y en a 3 sur 4 qui peuvent être là avec vous, pour que vous puissiez leur poser des questions, discuter avec eux de leur travail, etc. Ok ? Alors en fait c'est pas des... en fait elle est pas que dans une école de garçons. Si tu regardes bien les autres enfants, il y en a qui ont des petites robes, il y en a qui ont des... Donc en fait c'est des garçons et des filles, mais ils sont représentés d'une manière neutre. Décidé de créer un jury jeune qui est composé de 5 Landais et Landaises de 18 à 25 ans et qui vont être encadrés pendant tout le festival par un réalisateur donc qui a été déjà pré-présenté, qui est Emmanuel Laborie, et qui va les accompagner à voir tous les programmes de la compétition européenne pour les analyser ensemble, pouvoir échanger autour de ces films et remettre le prix du jury jeune. Bonsoir à tous, moi c'est Louis Fousteil. Je suis très content de participer à ce festival. Bonjour, je m'appelle Ryan Issou, j'ai 21 ans, je fais partie du jury jeune pour le festival de Pontis. Bonjour, je m'appelle Théa Leyer, je participe au jury jeune du festival de Pontis. Moi je m'appelle Renaud Guérin et je participe au jury jeune du festival de Pontis. Je m'appelle Adrien Bedin, j'ai 21 ans et je fais partie du jury jeune. Tout le plaisir, mais vraiment, sincèrement, qui a été le mien de les accompagner. Et voilà, c'est toujours à la fois très gratifiant et puis presque émouvant aussi de les avoir vus s'entraîner à voir des films, bien sûr, mais c'était surtout apprendre à en discuter, à en parler entre eux, à débattre, à échanger des idées. Et voilà, et je crois qu'ils ont vraiment pris l'exercice à bras le corps.